Bon, j'ai mis les tourillons pour me faire penser qu'il faut que je récupère une petite planche pour faire un étage. Et comme vous l'aurez compris, c'est de la récup, donc c'est l'occasion qui fait le larron. Et il faut que je trouve soit du bois massif, parce que je pense qu'un morceau de bois massif, une étagère ici massive, en bois massif clair, ça pourrait passer. Ou alors il faut que j'attende de trouver l'étagère mélaminée dans une teinte qui va bien, quoi, à peu près. Je suis pas obligé de mettre les tourillons. Je ne sais pas si ce sera vraiment ça le système de fixation. Ça aussi, ce lot, c'est de la récup sur les meubles de récupération. Quand tu les démontes, bah, y en a. Hein. Donc l'idée, c'est que c'est pas mal ce rangement parce que bébé ne peut pas y accéder. Bon, alors, je l'ai pas sous, j'ai pas sous la main madame parce que ça c'est un rangement pour madame. C'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut. Pour moi, c'est un peu bas, mais pour madame, c'est pas mal. Surtout que il y a un rangement là, quoi. Elle pourra mettre des choses là. Même s'il n'y a pas l'étagère, on peut mettre des choses là. C'est fait pour les papiers à la base. Hein. Le papier administratif, c'est typiquement le genre de truc que bébé peut détruire assez rapidement, alors que ça serait mieux que ça reste sain et sauf. Et on peut mettre des trucs là, on peut empiler du bordel là. Je l'aurais bien mis plus haut parce que bébé va rapidement être suffisamment grand pour venir attraper des trucs, voire même pour grimper dessus. Donc ça, par contre, il faudra faire attention. Donc comme vous avez vu, les tiges filetées n'étaient pas assez longues pour me permettre d'avoir la cale en bois. Mais bon, je pense que ça suffira quand même largement, hein, ce qu'on a mis ici, parce que ça, c'est du MDF. C'est un MDF de SADP, quoi. Hein. C'est pas un plafond, un fond de 2 mm. C'est du bois comprimé, certes, compressé, englué, collé, mais ça fait pas 2 mm. C'est pas de l'habillage, hein. C'est vraiment rigide. De toute façon, dans la description sous la vidéo, je vous mettrai les commentaires sur le long terme de la tenue de ça. Enfin bon, 40 kg, 40 kg, ça devrait aller, quoi. Surtout pour du papier, de la paperasse. Et pour ceux qui se posent la question, la cloison, c'est du BA10, hein, c'est une cloison en BA10, hein, donc placoplâtre d'un côté, placoplâtre de l'autre, et puis une structure en aluminium. Hein. Rail montant aluminium, c'est pour ça que je ne me suis pas collé trop à l'arête là-bas, parce que j'avais pas trop envie d'aller percer dans les morceaux d'aluminium, les montants en aluminium. Mais en plus, j'ai pas Madame sous la main, donc j'ai pas eu confirmation, mais je pense que c'est mieux de ne pas le coller. Déjà, je trouve que ça fait plus joli. Et puis surtout, les balais, on a tous chez soi, on ne le voit pas forcément au premier abord, mais on a tous des objets avec des tailles un peu pénibles. Et c'est bien d'avoir des petits espaces comme ça. Tu peux les foutre discrètement dedans. Et des fois, tu as la bonne surprise de te dire, putain, bah, en fait, ça sert bien ça. Dans la description sous la vidéo, je vous ai mis les noms des outils que j'ai utilisés et je vous ai mis références précises. Je vous invite à en prendre connaissance. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous souhaite la bienvenue et je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher justement à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique Astuces pour la maison, pour celles et ceux qui veulent devenir chaque jour plus capables de réparer et entretenir eux-mêmes leur foyer.